Voilà, donc. بروحانية عالية وإيمان كبير أطلعتنا كورين على إيمانها بوجود الخالق قبل أن تتعرف على مجيد ولكن الصورة لم تكن واضحة بالنسبة لها. Je voulais vraiment être prête. Mais Majid, il m'a dit, prends ton temps, enfin voilà, découvre. Après, tu. Et je me rappelle très bien, c'était un dimanche soir. Je me rappelle très très bien, on était à table. Et il y avait la mosquée en face de chez nous. Et voilà, j'avais appris, lu un peu le Coran. Et je me suis dit, bah, c'est maintenant. Il m'a dit, t'es sûr, on était en train de manger? Je dis, oui, c'est maintenant. Donc voilà. Et on est parti après, je sais plus, quelques jours après, et j'ai fait ma conversion. D'ailleurs, ça m'a touchée, enfin, très touchée, quoi. Vous avez ressenti quoi sur le moment? Beaucoup de chaleur, enfin, ouais, de la chaleur, puis même par toutes ces femmes qui venaient m'embrasser. C'était beau, quoi, c'était chaud, quoi, c'était... Voilà, c'était beau. Un tsunami de fraternité. Exactement. Tu pleurais aussi. Ah oui, oui, c'était des émotions, voilà, beaucoup d'émotions, voilà, c'est ça que je veux. Beaucoup d'émotions et de paix, finalement. J'avais l'impression d'avoir enfin trouvé. Beaucoup d'émotions. Des émotions voilà, bizarres pour ma voix religieuse. Lorsqu'on s'est parlé au téléphone la première fois, je vous ai demandé est-ce que vous êtes converti par amour ou par conviction. Votre réponse était très rapide. Ah, non. Vous m'avez dit non, non, c'est pas par amour, c'est par conviction. Ben oui, parce que moi j'ai tout. Oui, parce qu'il y en a plein qui pensent ça, oui. Parce qu'il y en a qui font ça juste parce que le mari. Moi j'ai toujours cru qu'il y avait un Dieu. Mais comment? On m'a pas donné les bonnes bases. Alors on sait pas, quand on est enfant, on suit. Mais après, quand on grandit, j'ai réfléchi. Et voilà, j'ai toujours cru. Donc quand j'ai rencontré Majid, ben, c'est vrai que je connaissais pas l'islam. Bon, je connaissais pas, mais j'ai quand même mon frère qui est musulman aussi. Il était avant vous? Oui. Oui. C'est aussi pour une femme? Non, il est seul. Tout seul. Mm. Mais j'ai toujours cru, et quand j'ai connu l'islam, j'ai voilà, j'ai appris un peu, comme je vous dis, j'ai discuté avec les gens. Même Majid, il a deux grandes filles, donc je discutais avec elles. Et voilà, et j'ai connu. Et pour être sûre, j'ai pris mon temps quand même de... Même je suis allée à la mosquée, je n'étais pas encore convertie. Hein. J'allais voir, j'allais... Voilà. Je me suis renseignée avant, je voulais pas faire ça, parce que c'est pas une chose anodine. Enfin, je veux dire, ça. Je voulais être sûre de moi, quoi. Et j'ai toujours cru, donc je me suis dit, bah, c'est cette voie-là, quoi. Et voilà. Mais non, c'est pas par amour, quoi. Et il y a plein qui pensent ça, hein. Je sais, hein. Mais non. Mais aujourd'hui, ils vont changer d'avis. Oui. J'espère. J'espère, parce que...